bonjour, 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 bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. On va faire cette guidance signe par signe pour cette semaine du 21 décembre. Solstice d'hiver, grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré Verseau. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais vous dire deux mots, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai fait une vidéo sur ce 21 décembre. Voilà, donc je vous invite à aller la voir. Là, nous allons faire une vidéo avec une carte du Yin Yang. On va voir l'élément pour chaque signe qui va vous inspirer, peut-être vous aider, vous conseiller pour cette semaine, donc du 21 décembre, jusqu'à dimanche. Alors 21, ça va faire dans le 27, je crois, hein, du 21 au 27 décembre. Et nous verrons ensuite un petit tirage pour chaque signe avec Béline. Mais avant de commencer tout cela, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification. C'est très important de vous abonner parce que j'ai besoin de vous. Bien sûr, commentez, je réponds toujours avec bonheur. Partagez, hein, mettez des pouces. Mais je voudrais vous signaler que je suis aussi sur BitChute et Odyssée. Cela, déjà, est très important. Pourquoi ? Parce que nous avons eu, il y a quelques jours, une coupure qui a duré à peu près une heure sur YouTube. Et je suis depuis un moment sur BitChute. Alors, ma chaîne sur BitChute n'a pas démarré. Vous avez tout cela sur la vidéo, hein, les liens pour vous abonner sur BitChute et Odyssée. Pourquoi ? Justement, je le redis. Parce que s'il y avait une nouvelle coupure ou s'il y avait pendant un moment, ou peut-être un moment assez long, eh bien, une impossibilité de mettre mes vidéos sur YouTube, vous les trouverez. Vous les trouverez au quotidien sur BitChute et Odyssée. Alors, rejoignez-moi sur BitChute et Odyssée. Alors, vous allez me dire, oui, c'est compliqué, on est habitué à YouTube. C'est vrai qu'on est habitué à YouTube, moi aussi. Mais maintenant, eh bien, finalement, c'est assez intéressant et assez ludique d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Alors, voilà, merci infiniment. Vous avez dans les liens sous la vidéo pour vous abonner à BitChute ou à Odyssée, ou à un ou à l'autre, ou deux, comme vous le désirez. Alors, les cancers, on va prendre un élément, une carte, là, du Yin. Linking pour vos cancers pour cette semaine du 21 donc décembre avec ce solstice d'hiver, et bien que nous prenons ça là, et c'est le vent. Nous n'avons pas eu le vent encore. Je note cancer, le vent. Je mettrai cela en description avec le minutage. Alors, et bien le vent, joli vent d'hiver, c'est une énergie yin, vent. Alors là, c'est une énergie de choix. Enfin, de choix, c'est pas l'énergie de choix, mais c'est l'idée qu'il va y avoir un choix à faire pour vous, peut-être cancer cette semaine. On est dans les cuisses, on est encore dans le mouvement. Alors, il y a beaucoup de mouvements, je trouve, dans cette semaine, mais aussi l'idée que pour aller dans le mouvement, il faut prendre le temps, il faut être dans la patience et dans l'idée que peut-être pour actionner un mouvement. Ça me fait penser au petit moulin là, pour le vent là, en couleur que les enfants aiment voir tourner. Eh bien, il faut attendre que ce petit moulin tourne, qu'il y ait du vent. Hein. Voilà, hein, ça ne tourne pas seul. Hein. Il faut qu'il y ait le vent. Alors peut-être que ce vent que vous attendez, qui n'arrive pas, vous êtes impatient. Et ça va dépendre peut-être de votre comportement interne, peut-être d'une répétition aussi de choses qu'il faudra faire ou ne pas faire, mais aussi une répétition dans la patience de vos efforts pour toujours avoir un but, votre but, aller vers votre but. Et c'est une énergie donc yin, quand même une énergie féminine, qui correspond à l'automne. Alors, on va voir pour vous cette semaine, vous donc, cancer. Que nous dit ce vent, joli vent d'hiver? Alors, il nous dit, eh bien, beaucoup de choses, et c'est magnifique. Il nous dit déjà, eh bien, que c'est dans cette sagesse, dans cette patience, dans vos efforts répétés, que vous allez, eh bien, recevoir des cadeaux. Les cadeaux de la vie, les cadeaux qui vous sont dus, les cadeaux que vous avez semés comme des perles pour pouvoir arriver au but.
Et voilà, c'est cela, c'est une récompense, c'est une semaine où simplement le cadeau premier sera la façon de vous comporter, de faire le bon choix, puisque dans le vent, il y a un choix à faire, hein, mais toujours dans cette idée de comportement intérieur. Et le comportement intérieur, bien, il passe par la sagesse. Eh bien, c'est cela dont il s'agit pour vous, Cancer. Il va y avoir des bouleversements, peut-être, des destructions. Alors, ces destructions, elles peuvent être pour vous comme quelque chose qui vient vers vous, comme un héritage par rapport à la sagesse, c'est-à-dire c'est grâce à votre comportement que vous allez connaître des destructions bénéfiques. Vous devez passer peut-être par quelque chose à mettre à terre, peut-être pour vous relever, cela va vous apporter des cadeaux. La sagesse, eh bien, c'est peut-être une sagesse interne, cet héritage que vous allez appréhender qui va venir à vous par ce vent, par ce mouvement, mais patient, qui arrive peut-être de loin, cet héritage, par votre travail. Ça va détruire ou déconstruire beaucoup de choses pour quelque chose de nouveau. Alors, dans la déconstruction de cette carte de ruine, on peut voir aussi vous-même, votre ego, c'est-à-dire ce que vous êtes, qui va changer de façon de faire les choses. Vous allez peut-être apprendre la patience. Vous allez peut-être vous cancer, devoir passer par, et peut-être vous ne le voulez pas, mais devoir passer par quelque chose qui se termine pour vous apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se termine auquel vous êtes attaché. Parce qu'avec ce despotisme, il y a une idée d'attachement. Alors ça peut être une chose ou une personne. On est avec la ruine, on voit une tour qui s'effondre et on voit la campagne. Moi je vois dans ce changement de faire, dans ce changement d'appréhender les choses, dans le changement de comportement, qu'il va y avoir une délivrance. En tout cas, on vous amène à vous délivrer, peut-être de votre comportement vis-à-vous de vous-même et vis-à-vis des autres, pour retrouver la sérénité. Peut-être vous allez trouver cette sérénité dans un certain isolement qui va peut-être ou vous attacher davantage ou vous délivrer. Ça va être le grand choix à faire. Parce que le vent qui est le choix, eh bien, dépend de vous tout simplement. La délivrance va venir de vous et non pas de l'extérieur. La destinée, eh bien, pour vous, c'est le changement. Donc obligatoirement, eh bien, vous allez vous détacher de vos chaînes. Alors les chaînes, ça peut être les attachements à une personne, les attachements à la façon dont vous êtes, la façon dont vous pensez, de voir vous comporter, la façon de vous regarder aussi. Mais ça va être l'idée, eh bien, qu'il y a une clé qui s'ouvre à vous pour ouvrir peut-être la porte de votre maison, de votre véritable être, par la destruction d'une façon de faire, d'un comportement, je le redis. Et la clé est là, elle n'appartient qu'à vous, cette clé, à vous de faire le bon choix, je vous fais confiance pour faire le bon choix, pour aller dans ce mouvement de changement. La clé du bonheur est là, de votre destinée. Alors bien sûr, il y a pour avoir la beauté là, pour réussir tout, ça va passer par des destructions encore. Il va y avoir des destructions assez importantes. Mais moi, je pense surtout aux destructions d'un être qui a été vous-même jusqu'à présent, mais qui demande à changer, à se dépouiller, à passer à autre chose, à devenir un nouvel homme ou une nouvelle femme. Et peut-être dans cette entrée de l'hiver, eh bien, une nouvelle humanité, vous allez retrouver peut-être l'amour de vous-même, pourquoi pas. La confiance aussi aux autres, hein, dans votre futur, pourquoi pas, hein, on a parlé de futur, de bienveillance, de douceur. Et cela va passer peut-être par des difficultés. L'amour, l'amitié, vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous pensez peut-être à quelqu'un. Hein, peut-être avez-vous de l'amitié maintenant pour vous-même et de l'amour que vous n'avez pas connu jusqu'à présent, vous cancer. Vous vous aimez maintenant, vous vous reconnaissez. Simplement, est-ce une amitié qui va se transformer en amour parce que maintenant vous faites le choix, peut-être de l'amour qui vous convient. Vous avez travaillé aussi, peut-être vous avez œuvré. On vous demandait peut-être encore de travailler, d'être patient encore, peut-être de répéter vos efforts, peut-être pour transmuter cette amitié à laquelle vous pensez, cet ami, cet amoureux, cette amoureuse qui va devenir plus qu'un ami ou une amie, qui va devenir peut-être l'amour, l'union de votre destinée. C'est un très, 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 très beau tirage.
Nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien, nous allons voir les lions. Alors les lions, eh bien, on va voir quel est le, dans le wiki, la carte donc, qui va parler pour vous. Quel est l'élément qui va parler pour vous, lions? Alors eh bien, lion, vous êtes dans une énergie de feu. On va voir si c'est le feu qui va vous habiter ou si c'est un autre élément. Hein. On va voir cela. Donc lion. Allez, lion, je prends celui-ci. La terre. Eh bien, je marque lion terre. Nous voyons que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu les mêmes éléments qui se sont donnés. Hein. C'est encore un nouveau. Hein. Peut-être qu'au bout de 12, je serai obligée d'en avoir qui se répète puisqu'il n'y a que 8 cartes. Voilà. Alors, la terre, pour vous, lion, eh bien, la terre, qu'est-ce que c'est? On est dans une énergie d'hiver, bien sûr, on est dans l'hiver, on entre dans l'hiver, où la terre se repose. Il y a une énergie yin, c'est la terre, elle nourrit, elle protège comme la mer. C'est une énergie de la matrice qui nourrit, qui protège. C'est aussi l'idée de patience. De patience parce que c'est le repos de la terre en hiver. Mais c'est aussi la réceptivité et l'écoute. Alors peut-être, eh bien, vous allez être dans cette énergie d'écoute cette semaine, de réceptivité, et vous allez peut-être vous rendre peut-être plus disponible pour les vôtres, hein, pour les vôtres, pour vous-même, pourquoi pas, vous allez prendre le temps pour vous. Il y a une idée de se rendre disponible, cette disponibilité de la terre qui est là, qui écoute, qui soigne, qui nous porte, hein, qui nous supporte beaucoup aussi. Donc, eh bien, c'est cela pour vous. Je trouve que c'est très beau parce que c'est bienveillant, c'est reposant, c'est bien cette énergie d'hiver, là, la terre. Alors, c'est l'accueil, c'est la chaleur, c'est le ventre de la maman, c'est le ventre. Trahison, on va la laisser au milieu, hein, cette carte de trahison, hein, le chat. Ça me fait penser toujours à ma petite Vanille, hein, qui, quand je la caresse, elle ronronne et puis au bout d'un moment, elle se retourne et elle gronde. Elle ne griffe pas, mais bon, elle n'aime pas, quand ça ne lui convient plus, hein, c'est un peu ça les chats. Alors il y a un peu de versatilité dans la trahison. Avez-vous été trahi? Avez-vous ou allez-vous vous sentir trahi? On va voir cela. Donc là on est donc dans le lion. Allez, et on y va. Waouh! Il y a une idée, eh bien, alors bon, le despotisme, c'est l'attachement, hein, l'enchaînement. Êtes-vous sujet, objet d'une trahison? Êtes-vous passif dans cette trahison? Il y a une idée, on avait les os, on est dans l'affection, on est dans le yin, on est dans les émotions. Peut-être subissez-vous une trahison qui vous met en émoi, qui vous ballotte sur les os. Hein. Vous êtes malheureux, mais vous êtes attaché. Avez-vous du mal à vous défaire? Ou avez-vous subi des attaques? En tout cas, il y a beaucoup de... Moi, je vois ces deux cartes à côté comme si on était perdu dans un océan et... La seule chose qui semble pouvoir vous sauver, vous lion, en tout cas, c'est de rester là-dedans. C'est de ne pas savoir vous libérer. Peut-être accueillir ces émotions, hein, comme la terre est patiente. Vous savez, vous êtes protégé. Accueillez, soyez peut-être à l'écoute, soyez réceptif dans ces émotions que vous vivez. Peut-être devez-vous eh bien, travailler sur cet attachement, sur cet enchaînement, sur cette trahison. Il va y avoir des échanges un peu énergiques, je dirais. On est dans le feu, là, comme le lion, qui est un signe de feu. C'est de la carte du feu dans l'oracle de Béline. Il y a deux coqs là qui se battent et qui cherchent bien à gagner. Il semblerait que vous en sortirez vainqueur. Peut-être vainqueur
de cette trahison que vous allez dépasser, vainqueur aussi de vos émotions qui vous trahissent, c'est peut-être cela aussi. Ou est-ce la recherche d'honneur à tout prix qui va faire que vous n'êtes pas capable de vous détacher de ces émotions, de ce trop-plein d'émotions? En tout cas, il y a un appui là qui arrive. Est-ce l'appui de quelqu'un qui est une personne élevée au plan social, qui est reconnue, qui a des honneurs? Il y a un appui qui va vous amener à chercher autre chose que le conflit. Quelque chose qui va vous apaiser, comme la terre apaise dans cette période d'hiver où la terre se repose, et vous allez être dans une réceptivité des belles choses de la vie, et vous allez dépasser ces conflits, ces trahisons, ces attachements à des choses qui ne sont plus. C'est les plaisirs, c'est la poésie, c'est l'art, c'est la créativité. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui peut vous appuyer, qui travaille là-dedans, dans tout ce qui touche au beau, ou est-ce vous qui allez vous tourner vers le beau? Vanille se manifeste. Alors, si vous permettez, je vais lui ouvrir la porte et je reviens. Alors, pardonnez-moi, mais quand Vanille miaule, il faut l'écouter, sinon le miaule ne peut plus parler. Alors, je disais, peut-être allez-vous vous appuyer aussi peut-être sur la beauté des choses et dépasser toutes ces altercations, ces difficultés, ces trahisons, ces attachements, tout ce que vous avez vécu pour vivre dans cette terre de beauté, de magnificence, et peut-être allez-vous vous reconnecter à la nature. En tout cas, les plaisirs, c'est aussi les fêtes, c'est le bonheur d'être en famille, ce sont les réceptions, et bien sûr, nous sommes dans la semaine de Noël, où on va se retrouver pour partager près du feu, autour d'une table, nous allons nous retrouver, nombreux, je l'espère, pour pouvoir aimer, partager, nous délivrer peut-être aussi de ces difficultés, de tout ce que nous avons vécu. Et vous, lions, je ne suis pas lion, mais quand je dis nous, je pense à tous les lions, c'est peut-être dans la beauté de la vie, la beauté des choses que vous allez dépasser toutes ces difficultés. Alors, tout de suite après, c'est terrible les cartes, elles nous disent tout et leur contraire. Il y a la fatalité, les procès. Alors, c'est peut-être grâce aussi aux appuis de votre famille. On avait vu qu'il y avait la carte de l'appui. C'est peut-être là que vous allez trouver la possibilité de dépasser tout cela. Mais la fatalité, c'est comme un renversement obligatoire des choses. C'est comme la mort dans le tarot de Marseille qui fauche ce qui est inutile. Et peut-être que cette fatalité va faucher les différends, les procès, les disputes, les trahisons, va arrêter tout cela, va faire éloigner tout cela. Mais c'est peut-être aussi l'idée de fatalité, de choses obligatoires par laquelle il faut passer pour pouvoir se libérer, et se libérer pour prendre un nouveau départ. Vous voyez que les cartes, elles ne sont pas stupides, c'est moi qui le suis parfois. Elles disent ce qu'elles ont à dire. Je ne suis pas stupide toujours, quand même. Elles nous disent ce qu'elles ont à dire. C'est-à-dire que vous allez dépasser tout cela. Vous allez vous retrouver à votre énergie aussi, peut-être de votre ventre, à vos émotions, parce qu'on avait quand même les émotions. Et peut-être que vous allez passer peut-être plus par l'affectif, l'émotion et la connaissance de cette énergie de ventre. Il y a cette énergie de feu aussi, puisqu'on est dans le sacré, là, dans ce chakra sacré. Et vous allez gérer vos émotions et prendre un nouveau départ. Un nouveau départ pour sortir d'une certaine stérilité ou seulement sortir de choses qui ne sont plus pour vous. Un nouvel envol, une élévation vers le ciel, mais en connexion avec le ciel, aux énergies célestes, en connexion simplement avec la terre en entrant en vous-même. Voilà, c'est vraiment très beau, l'échelle est là. Elle ne demande qu'à vous que vous la preniez, que vous vous éleviez, que vous ascensionnez pour bien dépasser tout cela et être simplement dans,
dans ce bonheur, dans cette, ce bonheur d'être avec les autres, dans le désir vraiment de vous détacher. C'est parce que se détacher de... c'est marrant parce qu'il y a la terre, et en même temps j'allais dire se détacher du terrestre, c'est pas cela, hein, on est dans la terre, on est dans incarné, c'est pas cela, mais se détacher de tout ce qui est terre à terre, peut-être dans le sens de tout ce qui est vraiment des broutilles dans vraiment la réalité de ce que vous devez vivre. Voilà, c'est vraiment très beau pour vous Lion, et nous allons voir bien sûr les Vierges tout de suite. Alors j'espère que vous me direz en commentaire si cela vous parle. Vous me direz si vous aimez cette forme de tirage. N'oubliez pas aussi de voir que donc les liens de Bichute et d'Odyssée. Mais n'oubliez pas bien sûr de vous abonner sur YouTube. Et je vous en remercie. Nous allons voir eh bien, tout de suite les Vierges. Et nous allons voir quel est l'élément pour les Vierges. Qui... Alors est-ce qu'on va retrouver maintenant, parce qu'on commence à voir, je vais faire le septième signe. Donc on va voir que peut-être on va retrouver un élément, je serai obligée de me répéter si jamais vous êtes dans deux signes, solaire et ascendant qui se retrouvent, même lunaire. On va voir donc Vierge, on va voir le vent, vous voyez c'est bien ce que je disais, on revient dans le cancer avec le vent. Eh bien vous Vierge, vous êtes avec le vent également, je le note, Vierge vent, comme je le relis, je mettrai en description. Eh bien, l'élément, et je mettrai eh bien, en description le vent, je vous montre. Voilà, il y a écrit vent. Et il y a le... Voilà. Et il y a bien sûr le signe qui correspond. Alors, donc, on va voir dans Vierge, avec le vent, dans le vent, hein, donc je le redis, hein, mouvement, choix à faire peut-être cette semaine. L'idée de répéter les choses, les actions pour que les choses aboutissent, hein, et garder en tête le but que l'on s'est fixé, hein, c'est bien cela. Et ce vent, c'est un comportement interne. Il ne va pas se voir spécialement peut-être à l'intérieur, ce mouvement, cette patience, cette, entre guillemets, cette obstination à réussir, mais dans les gestes répétés comme un artisan répète... Son geste, comme un orfèvre répète son geste, comme un tailleur de pierre travaille, comme un brodeur brode. Vous voyez tout ce qui est au beau métier, au beau geste de la main, au beau geste auquel je vous invite à revenir, à cette créativité répétée dans chaque geste quotidien, simplement dans les gestes de la vie au quotidien, dans les embrassades, dans les gestes de donner la main, vous voyez, de tout ça. Ce sont des gestes au quotidien qui nous font grandir. Voyez. Allez, j'arrête de parler, je parle maintenant de la Vierge avec Béline. Alors Béline, cette semaine donc du 21 décembre. Voilà. Alors, y a-t-il des soucis à la maison? Vous sentez-vous en vous-même? Et est-ce pour cela que vous êtes retiré dans votre retrait là, chez vous, les volets fermés presque? Non, je rigole. Mais il y a une stérilité. Vous vous sentez stérile. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être l'impression que rien n'avance. Et j'en reviens à cette idée de vent. On continue à travailler, continue à faire les mêmes choses. Et nous allons voir. Alors on a été coupé, pardonnez-moi. Continuez à œuvrer, continuez à travailler, gardez votre objectif. Vous allez sortir certainement de cette stérilité, mais il y a peut-être des obstacles qui sont là, qui font que peut-être eh bien, vous avez l'impression que tout est bloqué. Ressourcez-vous, profitez peut-être de cette semaine, du repos peut-être pour certaines, de vos vacances pour d'autres, pour peut-être à la maison, trouver un achoppement, un moment de détente, mais il y a aussi l'idée que peut-être c'est une stérilité que vous vivez dans votre quotidien, peut-être dans votre maison, on va voir. Hein. En tout cas, il y a, sur la stérilité, les choses vont bouger, vous allez retrouver l'élan, vous allez retrouver l'envie de beauté, l'envie de créativité, de vous élever, de sortir justement de cet enfermement, et c'est ce vent de mouvement dans la patience, la répétition, comme on pense à un cadran d'horloge où petit à petit les secondes passent, ensuite les heures, les jours et les mois, et etc. etc.
eh bien, nous avons l'idée que dans ce vent, eh bien, il va falloir faire un choix. Le choix ou de rester dans cette stérilité, dans un mouvement répétitif qui ne mène à rien ou dans un mouvement qui vous mène à quelque chose. Alors bien, c'est l'élévation qui est pour vous, c'est la beauté qui est pour vous, qui vous tend les bras. La beauté, eh bien, c'est de faire un geste beau à chaque moment, dans que chaque geste que vous fassiez dans votre travail ou dans vos relations aux autres soit empreint de beauté, de recherche de cette beauté qui va vous élever, vous aider à sortir de cette stérilité. Vous avez besoin, vous, vierge, pardonnez-moi, de trouver cela. Il y a un homme qui est là, alors il y a l'inconstance à côté. Est-ce vous cet homme qui... Avec l'inconstance, c'est ce vent qui souffle, parce que l'inconstance, c'est le souffle, le vent qui emporte, qui balaye, qui tournoie, qui fait tournoyer les feuilles, qui nous fait plier sous le vent. Eh bien, non, vous allez rester debout, faire le bon choix, dans un bon mouvement régulier, je le répète. Alors, est-ce une inconstance par rapport à une relation avec un homme aussi, où les choses vont un jour bien, un jour pas bien, un jour vous avez des nouvelles, l'autre vous en avez pas, voyez, vous savez pas sur quel pied danser peut-être avec cette personne aussi, ou est-ce vous cet homme qui ne savez pas sur quel pied danser avec une autre personne. Et nous avons là l'idée que bien vous êtes vraiment ballotté par les éléments. Ce vent, il peut être calme, il peut être doux, mais là c'est un vent un peu tumultueux. N'oubliez pas que c'est à vous de faire le choix, le mouvement, et on a la femme qui est là. Donc, eh bien, s'il y a un homme et une femme, ça veut dire qu'il y a la beauté derrière. Alors, c'est tellement beau que là, j'ai découvert un peu vite les cartes, mais est-ce que, justement, vous avez une relation entre un homme et une femme? Alors, vous verrez si vous êtes l'homme ou la femme. Il y a une relation de couple, là, qui est un peu déstabilisée, qui un jour est chaude, un jour est froide. C'est pas toujours au beau fixe. Le vent n'est pas toujours régulier. Mais il y a la carte, là, qui vous dit, eh bien, que les choses s'annoncent bonnes pour vous, Vierge, cette semaine. Que le vent va être doux. Ça va être une douce bise qui va flotter, qui va souffler sur vos entreprises. Eh bien, vos entreprises... Ça peut être une entreprise de travail, bien sûr, mais ça peut être une entreprise aussi amoureuse, affective. Hein. Dans les couples, ou si vous connaissez quelqu'un, eh bien voilà, le vent va souffler pour vous, il va se stabiliser ce vent. Il y a un choix à faire, un mouvement qui est un mouvement qui va faire que vous avez beaucoup travaillé, peut-être, et bien maintenant, cela va porter ses fruits. Continuez à garder votre but, parce que là, vous allez plonger à dedans la piscine, le ciel bleu est là aussi sur vos têtes. L'entreprise, eh bien, c'est la réalisation de vous deux, d'une chose que vous allez réaliser ensemble. Alors, ça peut être une entreprise, la réalisation de quelque chose, ça peut être sur le plan matériel, sur le plan professionnel ou autre, mais ça peut être l'entreprise de vous-même, simplement, qui se stabilise et qui est belle. Alors, j'ose même pas aller continuer, vous voyez, moi, j'aurais pas dit peut-être, mais il y a un changement. Alors, il y a eu des trahisons, ça va être terminé. Peut-être que justement maintenant, eh bien, ces allées-venues, ces fluctuations de vent, ces inconstances, ces vents d'ouragans, hein, d'autant, vont devenir des bises célestes. Vous allez vous embrasser, vous allez vous renouer ensemble. Terminer les trahisons, le changement c'est fini, maintenant ça va se stabiliser, il y a un mouvement magnifique, vous êtes protégé, hein, ce couple est protégé, je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un, mais c'est le mouvement qui est bon, c'est fini là. Alors si vous avez connu les trahisons de cette personne, que ce soit vous soyez homme ou femme de l'autre personne, alors pardonnez-moi, bien sûr, nous avons été coupés. Alors, je disais donc, si vous avez connu des difficultés de trahison, quelle qu'elle soit, alors c'est pas obligatoirement une trahison d'adultère, hein, mais l'adultère ça peut dire aussi de comportement, trahison de choses, de paroles désobligeantes ou autres, et bien cela c'est fini. Le vent est porteur, c'est un vent de changement magnifique, mais ça va dépendre d'un choix important que vous allez peut-être faire vous, Vierge, cette semaine. En tout cas, félicitations. En tout cas, je vous remercie à tous. J'espère que je n'ai oublié personne, mais je n'ai oublié personne parce que j'ai bien noté chaque fois à quel signe et quel élément était en relation. Donc, vous aurez cela sous la vidéo avec le minutage. Je vous remercie à tous. Excellente semaine. Allez voir cette vidéo, encore une fois, je le redis, de ce 21 décembre, et allez voir bien sûr vos guidances mensuelles que j'ai faites bien pour décembre, janvier, l'année aussi 2021 pour les signes astrologiques et une année en général pour 2021. J'ai fait une vidéo plus globale. Merci infiniment, je vous embrasse à tous. Belle fête de Noël, belle fête de Nouvel An, à très bientôt. De toute façon, je vous suis au quotidien et je vous retrouve eh bien pour le 22 décembre. Je vous embrasse à tous, bye bye.